Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada 83 Créa DP et compagnie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cet article. Voilà, c'est le sac. Donc comme je vais m'en servir pour partir samedi, donc je serai déjà partie quand vous verrez cette vidéo. Je voulais la faire, donc du coup on va le faire ensemble. Vous savez, c'est les sacs, les petits sacs Kaba. Voilà, donc je mets en pause pour enlever le papier. Voilà, donc j'ai enlevé le papier, donc j'ai séparé, hop, les petits diamants. On a le toolkit qui avait des petits sachets, mais du coup, je ne vais pas m'en servir, donc je vais le mettre là. On va prendre cette petite barquette et on va faire donc ce petit sac que j'avais vu, je ne sais plus, sur AliExpress, hein, il me semble. Voilà. Donc, il n'y a que le papillon à diamanter. Donc, je vais tout enlever comme ça. De toute façon, je vais le faire d'un coup. On va commencer un petit peu ensemble. Et ensuite, je vous mettrai en version accélérée. Ben, moi, j'aime bien en fait ce format. Donc, voilà, vous en verrez peut-être un petit peu plus souvent comme ça. Parce que du coup, je commence avec vous. Et comme bon, c'est quand même long, hein, même s'il n'y a pas grand-chose, c'est quand même long à faire. Donc du coup, je continue à filmer, mais en même temps, je mets la télé et je regarde vos vidéos. Voilà. Donc on va commencer. Moi, j'aime bien commencer par les plus gros en premier. Donc on va commencer par le 9. J'ai préparé mes petits sachets comme ça pour pouvoir les mettre quand j'ai terminé, parce que je ne les aurais pas encore triés. Alors voilà. Donc je vais couper tous les sachets comme ça. Ça sera déjà fait. De toute façon, il y a les numéros derrière, donc comme ça, il n'y a pas de risque. Et puis voilà. Donc ben là, je suis à J-5 de partir, parce qu'on est dimanche, et samedi, je serai déjà partie. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, oui, J-6, on va dire. Mais bon, le samedi, vu que je pars à 5h du mat, il ne compte pas trop, je serai déjà partie. Voilà, et là, du coup, il me reste plein de choses à faire. Le docteur, la pharmacie, etc. Donc, plein de choses à faire cette semaine. Je voudrais passer voir ma maman aussi avant de partir. Ma soeur. Donc, ma soeur, c'est bon, je vais manger chez elle le mercredi soir. Donc, du coup, ça, c'est bien. Je suis contente, je vais la voir un petit peu. Et puis, quand je reviens, c'est mon autre soeur qui viendra à la maison. Donc, je suis trop contente. Voilà. Ouais, on se sent bien entre soeurs. Donc le 9, ce sont ces gros cristaux là, ces grosses demi-perles, je cherchais le nom. Donc du coup, je ne m'embête pas, hein, j'ouvre tout, puisque je vais les mettre dans des petits sachets zip après. Voilà. Donc c'est toujours les mêmes barquettes, hein, qui viennent de chez 3D Art R&L. Voilà. Et je vais prendre toujours le crayon que j'avais pris pour pour faire les... Oh, je perds mes mots. Pour faire les diamants spéciaux. Voilà. Elle est contente de le retrouver, cette télé. Oui, puis on t'entend en plus. Parce que là, c'est la partie où je ne vais pas couper. Donc, j'ai coupé le son de la télé pour pouvoir filmer la première partie de la vidéo. Après, je remets le son parce que ce sera de l'accélérer. Enfin, c'est la petite discussion avec mon fils. Voilà, voilà, voilà. Je casse le chat. Avec Yuki qui s'est incrustée. De toute façon, celle-là, elle me suit, mais c'est un vrai petit chien. Elle est tout le temps avec moi. Je monte, elle monte, je descends, elle descend. Je vais aux toilettes, elle est devant la porte. Je vais dans la chambre, elle est sur le lit. Voilà. Elle est tout le temps là. Et puis, elle chasse son frère si son frère s'approche trop de moi le soir. Voilà. Parce qu'elle se met contre la fenêtre. Et si Pixar vient sur le lit avec moi, eh ben, elle se lève et elle le chasse. C'est une pestouille. Gentille pestouille, mais une pestouille. Voilà. Bon, je ne l'ai pas bien taillé, celui-là. Du coup, il est bien large. Donc, finalement, c'est nickel pour ces grosses demi-perles. Hop. Donc, ouais, là, je vais laisser mon fils et mon mari pendant 3 semaines. Ils vont devoir faire la lessive. C'est Cyril qui va devoir faire la lessive en plus, parce que son père, il ne sait pas faire. La lessive, le ménage, nettoyer les toilettes. T'appelleras mamie.
Sa mamie, elle sera avec moi en cure. C'est juste, c'est juste. Voilà. Bon, son papa, il fait à manger, donc ça va. Ici, je ne fais pas à manger. C'est mon mari qui fait à manger tout le temps. Bon, sauf exceptionnellement, mais voilà. C'est lui. Bon, je l'ai fait pendant 20 ans, hein. Mais bon, maintenant, c'est son tour. C'est lui qui fait. Et c'est très bien. C'est très, très bien. Oh, ma choupette. Attends. Je m'en fous. Tu t'en fous? Alors, attendez. Je vais vous basculer. Vous allez voir, c'est le bordel, hein. Mais bon. Pardon, c'est le souk. Ah, mais en vidéo, je peux pas bifurquer pendant que je filme. Comment ça? Ben non, il faut que je coupe la vidéo pour... Pour pouvoir tourner l'écran. Bah, tu chopes avec le trépied et tu tombes. Ah ouais, ouais. Je peux pas faire ça. Alors, attendez, je vous fais bouger. Là, tu filmes le sol. Ah, je filme le sol. Non, mais j'y arrive pas, attendez. Donne. Voilà. Madame, bonjour. Ma choupette. Donc ouais. Ça, c'est Yuki. Là, elle fait la gueule un peu. Hop, voilà, elle commence à se rendormir après. Ma petite Yuki. Voilà, voilà, vous avez aperçu la petite Yuki. Et mes incroyables ados, qui sont inexistants. Ouais. Ciao. Voilà, donc le dernier violet. Par contre, ils sont un petit peu abîmés, je trouve. Donc, je vais en choisir un autre. Heureusement qu'il y en a beaucoup. Je voulais descendre le masque et je les ai fait ici. Voilà. Donc, ah non, j'en ai encore un là-bas. Hop. Voilà. Je pense que j'ai mis tous les 9. Oui, ça va. Donc, je vais les mettre dans un petit sachet zip. Il me semblait que je les avais sortis. Oui, ils sont là. Ils se cachent. Ils se cachent. Voilà, donc ben en fait, je suis jamais seule à la maison, j'ai toujours un des chats. Tout à l'heure, c'était Pixar qui était sur moi, et maintenant, c'est Yuki qui est avec moi. Voilà, comme ça, j'ai plus qu'à le ranger après dans le petit cahier. Donc là, on va faire les 10, ou les 8, voilà, j'ai les 8 sous la main, on va faire les 8. Alors franchement, ils sont généreux au niveau des perles. Ça, c'est des blancs AB, hein, des grosses demi-perles blancs AB. Hop, prends celui-là qui est mieux taillé quand même. Voilà. Hop. Alors, le 8, il est là. Alors, apparemment, ça a l'air pas mal. Les dessins sont légèrement plus petits que les perles. Donc, du coup... on voit pas le blanc ou le petit liseré noir en dessous de la perle, sur les côtés de la perle, de la demi-perle, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, oui, avant de filmer, j'ai une télé dans mon atelier, donc c'est la télé qu'on avait en bas. Et comme on a changé la télé, je l'ai montée ici. Mais... bah, il n'y a plus de son. Enfin, un coup, il y a du son. Un coup, il s'arrête. Un coup, il n'y a plus de son. Enfin, et là, il n'y a plus du tout de son. Donc, ça m'embêtait que j'avais pas envie de racheter une télé maintenant. Je sais que c'est les soldes, mais bon, voilà. J'ai pas envie d'acheter une télé maintenant. Et en fait, j'avais une vieille paire de baffles. Pas de baffes, de baffles. Et on les a branchés sur la télé. Et c'est génial, ça fonctionne. Donc, du coup, j'ai pas besoin de changer la télé. Voilà. Donc... c'est ce que me disait Cyril, t'as pas mis le son. Donc Cyril, c'est mon loulou, hein, c'est mon fils. Voilà. Qui vient de faire ses 18 printemps. Là, on attend les résultats du bac français, parce qu'il est en première. Donc on attend les résultats, voir comment ça s'est passé. Voir s'il aura des points à rattraper ou des points d'avance pour l'année prochaine. Hop. Et voilà. Ça va être pas mal, hein. Bon, par contre, je le vernirai aussi parce que comme il va être appelé à être manipulé pas mal de,
deux fois. Moi, je vais m'en servir là pour emmener mes petits accessoires que je voudrais faire en cure. Donc voilà, je pense qu'il y aura une petite pochette, une boîte à crayons, marque-page, voilà, des petites choses comme ça. Et mais bon, il va frotter, il va être dans le coffre et tout ça, donc je vais l'encoller. Enfin, moi, je mets du vernis, hein. Donc du vernis de chez Action, qui est super bien. Pour l'instant, ça bouge pas et ça me laisse pas de film blanc, donc je suis contente. Donc voilà, encore une fois, ils sont généreux, hein, il en reste beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous les montrerai de toute façon, enfin. Donc voilà, et ben écoutez, je vais passer en mode accéléré. Et on se retrouvera à la fin de cette vidéo pour mon avis et la réalisation finale. A tout à l'heure. Voilà, donc il est terminé. Je l'ai verni hier soir, donc là il a eu le temps de sécher tout ça. Donc nickel, voilà ce que ça nous donne. Tout terminé. Voilà, franchement le papillon il est très très beau. C'était facile à poser. Par contre, alors je ne sais pas si c'est dû à la chaleur ou pas, mais voilà, les diamants glissaient beaucoup quand je l'ai posé. Et c'est pour ça que je l'ai d'ailleurs verni, d'une part parce que je vais m'en servir, donc il va être frotté, etc. Et d'autre part parce que ça glissait, et je pense que la colle avec la chaleur, ça faisait tout glisser les diamants. Donc du coup, j'ai des endroits où on voit un petit peu le blanc, mais ça va. Franchement, ça peut aller. Donc, voilà. De plus près, ça nous donne ça. Le papillon est très joli. Il est bien asymétrique. Voilà. Et si je vous remonte un peu plus haut. Oups. Je dois tenir le pied du trépied, autrement il tombe. Voilà, ça nous donne ça. Donc, voilà. Il est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Hein. Il est joli. La couleur est sympathique aussi. Et voilà, ça, j'ai mis quoi? J'ai dû mettre 2 heures pour le faire. Donc là, vous l'aurez que en 5 minutes, vous, puisque j'ai multiplié 3 fois la vitesse. Donc du coup, enfin, je l'ai fait par 5, encore par 5 et encore par 5. Donc du coup, vous n'avez que 5 minutes en accéléré. Mais moi, ça m'a pris 2 heures pour le faire. Voilà, et bien écoutez, moi, je suis bien contente de ce petit sac. Il est bien sympa. Bon, le derrière n'est pas top, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas bien grave. Et je vais pouvoir l'emmener. Voilà, il a l'air assez costaud. Donc du coup, je vous dirai ça quand je m'en serai servi. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos. Et vous pouvez aussi liker la vidéo si le contenu vous a plu. Dites-moi en barre d'infos si le contenu si ce format vous convient. Et en même temps, je suis désolée si les commentaires sont désactivés. J'arrête pas de vérifier, mais c'est YouTube qui désactive les commentaires et je ne sais pas pourquoi. Et je ne suis pas la seule. Voilà, donc je vérifie de temps en temps, mais sur la dernière vidéo que j'avais faite sur le unboxing de Diamond Art Club numéro 9, j'ai 2 fois je suis allée réactiver les commentaires et 2 fois ils ont été désactivés. Donc je ne sais pas comment faire. Voilà. Bon écoutez, sur ce, moi je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !